quoi, mec. Voler, 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 voler
Les histoires racontées sous l'angle, les trop vilains, les abus.
même une bras boutique que les cabras allaient les manger pour ne pas finir comme dessert au menu des petits hôtels. Si l'histoire pour les zinzins, mais tout ça arrive pas mal. Ce coréen a un poil dans la tête pour plus vite se meurt de cette mère. Je n'ai jamais la triole, la brousse qui vous claque les clopes, la gêne, le cou, la pétoche. Je les écrase comme des pilules, tous ces hôtels aux enfants du monde, tout ce qui me protège. Déjà la triole, la rousse qui vous plaque les grappes, la chair de poule au fond du lit. Il peut me lécher les oreilles, se pencher avec ses oreilles, moi je vous jouerai les coquilles. Ouh, 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 j'ai peur de mon méchant loup, des forts comme les loups-garous, des sorcières et en tout. Ouh, 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 j'ai peur de mon méchant loup, des bourrés qui vous piquent le cou, des montres qui vous piquent le cou. Il y a des grands aussi, hein, comme vous aussi. Et puis dans ce village, il y a un loup qui se traîne tout au fond, dans la forêt autour du village. Sauf que là-bas, le loup, il n'est pas comme chez nous. C'était comment déjà le cri du grand méchant loup, vous avez fait? Et bien figurez-vous que là-bas, dans ce village, on dit que le loup, il est un peu... Les gens, ils disent que le loup, il est un peu... Un peu bouillonnabou, hein. Un peu zinzin. Et il a un cri très bizarre. Lui, quand il se promène autour du village, qu'il pousse ce grand cri de loup, il fait pas aouh. Comme dans toutes les histoires. Lui, quand il pousse ce grand cri de loup, il fait peuple loup. Et ça fait rigoler tout le monde. Et à chaque fois qu'on entend ce grand cri de loup, à chaque fois qu'on entend loin, peuple loup, tout le monde répond même pas. C'est vrai, à chaque fois qu'on entend son grand cri de loup, à chaque fois qu'on entend « Babalou », tout le monde répond « Mais pas vrai !» Sans cachement, le loup est entré dans le village. Il est allé trouver les gens du village, il leur a dit bonjour, monsieur Garou, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais voilà, je me promenais aux alentours et je vous avoue, j'ai vraiment très très faim. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, un petit garçon ou une petite fille à grignoter? Mais un ou une qui fait que des bêtises, il sert à rien. Mais les gens dans le village, ils ont dit comme vous, ils ont dit non mais oh, 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 le loup, oh, 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 t'es pas un peu beaucoup de maboule, toi, t'es pas un peu top, 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 top. Je crois qu'on a donné un petit garçon ou une petite fille et qu'il ne détruisait pas parce que ton chien n'a rien à faire. Sauf que dans ce village, il y avait une sorcière. Et la sorcière était comme dans toutes les histoires, vieille, frappée, les doigts tordus, le nez crochu, la verrue et le poids.
poil sur, par-dessus sur le nez. Là, t'as le poil sur le bout du nez, exactement comme tu dis. Et la sorcière, elle a dû trouver le loup et elle a dit arrête de toucher mes cartes. La sorcière, elle a dû trouver le loup et elle a dit oh, ma chère loup, vous tombez rudement bien tout le temps, monsieur le loup. J'ai justement ici dans mon placard un petit garçon que j'ai enfermé. Je n'aime pas les petits garçons, il est difficile d'ailleurs. Si tu veux, monsieur le loup, je te le donne. Tu pourras mettre en petit deux, c'est vraiment très très bon. Mais monsieur le loup, si tu veux que je te le donne, il va falloir que tu me donnes quelque chose en échange. Je veux le feu d'un dragon chinois. Alors le loup il a ouvert les yeux comme ça. Il s'est gratté les oreilles comme ça. Il a dit où est-ce que tu veux que j'aille trouver le feu d'un dragon chinois, moi? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je sais pas. En Chine. En Chine. Il va falloir que j'aille jusqu'en Chine. Alors le loup il a poussé son grand cri de loup, il a fait Mamelou. Et tout le monde a crié. Alors il est parti en courant. Il a couru comme ça pendant des semaines et des semaines. Et à force de courir pendant des semaines et des semaines, il est arrivé jusqu'en Chine. En Chine, exactement. Et là-bas, en Chine, il est allé trouver un très grand sage chinois. C'était vraiment un très très grand sage. Déjà parce qu'il était très très grand. Et puis sur la tête, il avait un petit chapeau carré. Deux petits yeux, tout bridés. Et une longue barbe grise qui descendait jusqu'à ses pieds. Et il était le gardien d'un dragon chinois, ça tombait vraiment bien. Mouali s'est approché du grand sage et lui a dit bonjour grand sage, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu pourrais me donner un peu du feu de ton dragon que je l'apporte à la sorcière et me donne le petit garçon que je le mette dans mon bidon parce que c'est vraiment très très bon. Le grand sage a regardé le loup et lui a dit c'est joli ce petit présent. Il lui a dit à vous, monsieur le loup, grand loulou, rendez-vous bien de donner un coup du feu de mon dragon chinois. Ah, mais il faut que tu me donnes quelque chose en étonne. Oui, je veux quelque chose en étonne. Je veux un poil de nez de rhinocéros d'Afrique. Le loup il a regardé les yeux comme ça. Il s'est gratté les oreilles comme ça. Il a dit où est-ce que tu veux que j'aille trouver un poil de nez de rhinocéros d'Afrique? Tu l'entends jusqu'en Afrique? Oh là là, misère, mon Dieu. Alors il a passé son grand cri de loup, il a fait Mamelou. Et tout le monde a crié. Alors là, il est parti en courant. Il court le loup, 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 il là-bas en Afrique, il était trouvé un grand chef de tribu. C'était vraiment le plus grand des chefs de tribu. Il était même pas grand, il était gigantesque. Il était énorme. Il avait de très grands biscuits. Des mains fortes comme des marteaux. Et à sa ceinture était accroché un énorme couteau. Alors le loup s'est approché du grand chef de tribu. Excuse-moi, grand chef, est-ce que tu pourrais me donner un poil de nez? Pas le tien, hein, un poil de nez dans rhinocéros, s'il te plaît, que je l'apporte au sage, qu'il me donne le feu du dragon, que je l'apporte à la sorcière, qu'elle me donne le petit garçon, que je le mette dans mon bidon, parce que c'est vraiment très très... Ah, vous mangez des petits garçons? Comment ça va, si c'est bon? Le grand
comme ça, je vais regarder le loup. Et il lui a dit... Allez, non, monsieur le loup. Grand loulou. Moi, je veux bien te donner un poids de nez de rhinocéros d'Afrique. Oui, oui. Mais il faut que tu me donnes quelque chose en échange. Je veux... un rayon du soleil. Alors le loup, il a regardé les yeux comme ça, il s'est braqué les oreilles comme ça. Il a dit, ben où est-ce que tu veux que j'aille trouver un rayon du soleil, mais... Oh mon Dieu, misère, malheur. Il a poussé son grand cri de loup, il a fait, dans le loup. Il a couru comme ça pendant des années et des années. Il a couru comme ça jusqu'au bout du monde, et le bout du monde c'était là. C'était juste là, le bout du monde. Et quand il est arrivé au bout du monde, il a commencé à chercher la plus haute montagne du monde. Et la plus haute montagne du monde, elle était là. Et quand il a trouvé la plus haute montagne du monde, il a commencé à grimper. Il en a grimpé. Et là,
là. Dégage. On a cassé le dégage. Il a mis dans sa poche, bien caché. Il a descendu du tabouret. Il a dit, merci, faut l'attraper. Il a descendu du chapeau. Il a mis dans sa... Oui. Il a descendu les chaises. Il a mis dans sa... Il a descendu la montagne. Il a mis dans ses... Il l'a laissé là, il a poussé son grand tribunal, il a fait Pablo. Le loup il était fatigué, ça faisait des années qu'il courait comme ça. Alors le loup il est quand même retourné jusqu'au village, jusque dans la maison de la sorcière. Il est arrivé, il a frappé avec ses dernières forces à la porte. Pouk, pouk, pouk. Qui est là? C'est le loup. La sorcière est arrivée, elle a ouvert la porte et elle a dit. Mais vous êtes partis depuis tellement d'années, depuis tellement longtemps, vous êtes partis de ce village. Mais rassurez-vous, j'ai gardé enfermé le petit garçon dans son placard. Tu peux aller le cacher, le mettre dans ton bidon, c'est vraiment très très. Seulement vous croyez que le petit garçon, au fond de son placard, depuis toutes ces années, il était resté un petit garçon? Non! Il avait C'était devenu un homme costaud depuis toutes ces années. Et surtout, il n'avait plus une seule idée en tête. Devenir. Alors quand notre loup il a appris ça, quand il a entendu ça, il a fait... Il a fait... Babelou ! Babelou ! Alors le loup il est parti en courant et on l'a plus jamais revu ! On aime bien chanter les chansons. J'espère que vous avez du plaisir à les écouter. En tout cas, nous, on a du plaisir à les chanter. Il y a plein de choses qu'on aime bien faire. Par exemple, faire des concerts pour les enfants. Moi, j'adore faire ça. J'aime bien jouer au football aussi. Je sais que tu as pas ça. Olivier, il aime bien marcher. Ça, c'est j'aime bien marcher. Il adore partager ses tripes aussi. Ça, j'aime bien marcher. Non, ça t'aime pas. Ah, c'est vrai, il y a des choses qu'on aime bien faire. Il y a des choses qu'on aime pas faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas du tout faire, toi? Me réponds. Par exemple, t'aimes pas me répondre. Oh, ben voilà, c'est une très bonne réponse, c'est ce que j'attendais. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas faire la vaisselle, par exemple? Ah oui. Ben, tu vois,
petite chanson et une petite danse pour que ce soit plus rigolo de faire la vaisselle. Et pour cette petite chanson et cette petite danse, on va demander la participation d'un grand qui va monter sur scène. Non mais d'un très très grand qui a le permis de conduire par exemple. Monsieur, vous êtes debout dans un beau chapeau. Il faut un homme parce que c'est dangereux pour monter sur scène. Vous allez monter. Alors on peut l'applaudir très très fort. C'est compliqué aujourd'hui. Quel est votre prénom? Brice, on a fait très fort, Brice. Alors Brice, je vis d'être le Kamel Wally du jour. Vous connaissez Kamel Wally? C'est le prof de danse de la Star Academy. Alors voici vos élèves. Donc vous allez venir bien devant. Regardez. Non, mais restez, restez là. Et alors sur cette petite chanson, on a inventé une petite danse sur le refrain. Et sur les couplets, vous allez improviser ce que vous voulez. Et vous les enfants et les grands, vous allez faire exactement ce que fait Brice. Là, est-ce que Brice est assis par terre? Ça va aller, vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, on se met debout, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Tout le monde debout, je prends ma guitare. Comme Brice. Je vous demande de danser parce que quand on joue de la musique, on ne peut pas danser en même temps. Donc vous êtes mon chorégraphe aujourd'hui. Alors, on va voir si ça marche bien, Brice. Tout le monde regarde bien Brice, vous voyez? Bien. Alors, Brice, tu vas faire. On va se payer, c'est plus simple. Tu vas faire un petit geste de danse que tu veux et on va voir s'ils fonctionnent tous correctement. Allez, c'est parti, allez, c'est parti. Ah, juste pour ce que tu veux. Voilà, ce que tu veux. Improvise quelque chose de simple. Voilà, voilà, par exemple. Alors, tout le monde. Pareil que Brice. Tout le monde fait comme Brice. Là, madame, les bras croisés, ça va pas aller du tout. Sinon, je vous fais monter sur scène. Ouais. Encore un petit truc pour voir si vous m'y racontez, quelque chose comme ça, par exemple. Allez, voilà. Voilà, c'est super, ça marche bien. Bon, maintenant que ça marche bien. Voici la danse. Tu vas apprendre et après, tout le monde va regarder. Oui. Et tout le monde va faire comme. Oui. Alors ça fait comme ça, parce qu'il se prend la note et il est là. J'ai plongé les mains, un peu maillé, tu vois. Voilà, dans la vaisselle. Et où allez maintenant? Au milieu des bulles de savon. Alors les doigts dans la bouche, ça va pas marcher. Tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, j'ai une dessinette de ton planche. Et là, on va se pouvoir plonger. Et on remonte des trésors cachés, des bateaux perdus, sans leur capitaine. On va la faire encore une fois ensemble et après, c'est pas tout ça. Avant ce que tu es, c'est parti. Plus j'ai envie. 1, 2, 3, 4. J'ai plongé les mains dans la vaisselle. Ouais, tout le monde. Au milieu des deux de ça. Et au fond, ça danse aussi. Tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, j'ai une dessinette dans le fond. Des bateaux perdus sans leur capitaine. Alors j'ai tout seul. J'ai plongé les mains dans la vaisselle. Au milieu des bulles de savon. Allons, plonge. Des bateaux cachés la terre sans leur capitaine. Alors fais ce que tu veux. Voilà, on fait comme ça. Tu l'as dit comme il a joué la gâteau. J'ai fait ça comme si j'ai fait un milieu. Il parle de la chanson.
mange la baleine. C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Qui mange la baleine. C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Qui mange la baleine. C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Qui mange la baleine. C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Qui mange la baleine. C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Alors j'ai pris mon avion, je suis allé jusqu'au Japon. Super Nulos, on pleure une mort. Super
Allez, c'est à vous.
Voilà. J'arrive à la fin.